par là. Je commence par un trou. Mais la plante, c'est classique. Mais ce que je fais, c'est que je fais bien gaffe qu'il y ait de la terre qui puisse se glisser, comme c'est pas très, très large, qu'il y ait de la terre qui se glisse bien entre la motte et puis le bord. Hop. Et après ça, je tasse presque comme un sauvage, mais il faut le faire parce qu'il faut qu'on ait une petite zone pour que quand on a rose, l'eau reste là et ne coule pas. Donc vous n'hésitez pas, même même les zones qui ne sont pas plantées, à la classer un peu, que l'eau reste bien.